Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues, chers amis, bienvenue à toutes, à tous. Merci en particulier à notre intervenant, Monsieur Harold Sasounian, président de United Armenian Fund, défenseur infatigable des droits de l'homme et de la cause arménienne à travers le monde, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Nous lançons aujourd'hui une riche programmation d'événements éclectiques dans le cadre du centenaire du génocide arménien de 1915. Durant les prochains mois, ici le Moulineau va palpiter à l'unisson avec l'Arménie et les Arméniens, car notre ville est depuis longtemps l'amie de ce pays et de ce peuple admirable. Depuis 1989, nous sommes jumelés avec la ville sainte d'Eshmeyadzin, avec laquelle nous entretenons des relations étroites et fructueuses, concrétisées notamment par plusieurs projets solidaires pour la rénovation d'équipements scolaires et culturels. En tant qu'élu local et national, vice-président du groupe d'amitié France-Arménie, mais aussi à titre personnel, vous savez que je me suis toujours impliqué dans les combats des Arméniens et des Français d'origine arménienne. Nous avons ensemble remporté la bataille législative qui a abouti à l'adoption de la loi du 29 janvier 2001 portant reconnaissance du génocide par la France. Il nous reste encore une bataille inachevée, celle pour la pénalisation de la contestation du génocide. Nous n'abandonnons pas. Les tragiques événements qui nous ont récemment frappés, la formidable mobilisation des citoyens libres à travers le monde pour réaffirmer leur refus de l'injustice et leur attachement aux libertés, à la dignité humaine, me laisse espérer qu'un même élan viendra plaider en faveur de la réparation d'injustices plus anciennes. En ce triste centenaire, notre programmation ICN réserve bien évidemment une place aux hommages, aux recueillements, par respect pour les victimes si nombreuses et les souffrances profondes infligées aux Arméniens. Il y aura également plusieurs temps de conférences et de débats, comme ce soir, pour expliquer, comprendre, rappeler la vérité et les faits historiques incontestables. Mais par ailleurs, j'ai souhaité que soit valorisée la création artistique, picturale, cinématographique, le sport, la fête, l'innovation technologique, tout cela aux tonalités arméniennes. L'Arménie et les Arméniens sont vivants. C'est la réponse la plus forte qui peut être adressée à ceux qui ont cherché à les exterminer, à ceux qui cherchent encore aujourd'hui à nier leurs souffrances et effacer leur mémoire. Ils vivent, ils créent, ils jouent, ils prospèrent, en même temps qu'ils demandent respect et réparation. C'est tout cela que nous avons souhaité vous faire découvrir ces prochains mois, l'âme de l'Arménie, ses sourires et ses larmes. Je vous encourage à venir nombreux à chacun de ces rendez-vous. Pour finir, précisons que la ville d'Issy Moulineau, tout au long de l'année 2015, a choisi d'apposer sur ses enveloppes une flamme du souvenir en témoignage de son soutien. Nous sommes l'une des seules villes de France à avoir pris cette initiative. C'est le symbole de notre engagement concret, humaniste, pour le respect d'un peuple courageux et d'une culture plurimillénaire. Je vous remercie une nouvelle fois, chaleureusement, pour votre présence. Bonne soirée à toutes et à tous. Si vous permettez, monsieur le maire, juste avant de passer la parole à notre invité qui a traversé l'Atlantique pour nous, je tenais tout d'abord à titre d'élu auprès de monsieur André Santini, en tant que maire adjoint délégué à la communauté arménienne, à vous dire l'émotion qui est la mienne de savoir, lorsque vous travaillez avec un homme, et quand l'objectif est son amitié et sa sincère et profonde conviction à être l'ami des Arméniens. Donc aujourd'hui, vous allez vivre le premier événement de toute la programmation du centenaire du génocide avec M. Harold Sasounian. Et je tiens à vous dire que sous l'impulsion de M. André Santini, parmi tous les fonctionnaires de la ville, qui sont plus de 1000, et toutes les équipes des adjoints et des conseillers municipaux, la ville entière, sous sa directive, est aux côtés des Arméniens, parce que la ville entière veut que
la cause de l'Arménie et des Arméniens soit justifiée et reconnue. Et je tiens à vous remercier, M. Santini, de ces consignes que vous avez données, parce que c'est vraiment un bonheur de travailler avec des équipes, sous la direction de M. Basile Pierre, qui est sur votre droite ici, directeur aux relations internationales, qui chapeautera pendant tout le cadre de l'année tous les programmes du centenaire du génocide. Et croyez-moi, nous sommes très sévères dans notre travail, mais grâce à des gens de cette qualité et avec un maire tel qu'André Santini, nous allons rendre hommage, comme il le faut, à la reconnaissance du génocide arménien. Et avant de passer la parole à Harout Sassounian, je voulais vous dire aussi que rien n'est dû au hasard. Nous sommes aujourd'hui un 24, nous sommes 3 mois avant le 24 avril, et par la volonté d'André Santini, c'est que nous avons voulu marquer, à presque 100 jours du 24 avril 2015, la volonté de la ville d'Issyné Moulineau à être fidèle à son amitié envers le peuple arménien et envers le génocide. Donc aujourd'hui, avec l'accord de M. Santini, vous avez de l'exclusivité européenne. Nous n'avons jamais eu le plaisir et l'honneur et la possibilité d'avoir M. Harout Sassounian venir s'exprimer, vous dire ce qu'il voit, vous dire ce qu'il ressent, vous dire ce qu'il prévoit, parce que cet homme, depuis plus de 30 ans, travaille pour la cause arménienne, au tout début, lorsqu'il a commencé dans les arcanes du pouvoir de l'ONU à Genève. Mais tout à l'heure, il se fera le plaisir de vous détailler tout cela. Donc, soyez certains que vous pouvez être fiers d'être, pour certains, ICéens, pour d'autres, peut-être pas, pour certains, ICéens d'origine arménienne. Vous pouvez être fiers parce que nous vivons l'histoire, nous allons avoir un programme prestigieux et nous le devons à une seule et unique personne, et à un monsieur en particulier, André Santini. Je voulais lui rendre hommage. Merci. Merci. Monsieur le député maire, monsieur le représentant de l'ambassade d'Arménie, messieurs les représentants des églises arméniennes, mesdames et messieurs les élus, représentants de la ville, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Les Arméniens exigent la justice et pas seulement uniquement la reconnaissance du génocide. En ce début du centenaire du génocide arménien, c'est la justice que les Arméniens devraient exiger plutôt que la simple reconnaissance de ce crime contre l'humanité. Retraçons brièvement les événements qui ont entouré cette question très importante au cours du siècle qui vient de s'écouler. Très vite, à la suite du génocide, la plupart des survivants se sont trouvés éparpillés à travers le Moyen-Orient et dans d'autres pays plus lointains. Ils n'avaient rien à manger, nulle part où aller, et à peine de quoi se vêtir. En vain, ils ont espéré être secourus par les nations européennes chrétiennes et pouvoir ainsi retourner sur les terres de leurs ancêtres, en Arménie occidentale et en Cilicie, auxquelles ils venaient d'être arrachés si brutalement. Hélas, cela ne s'est pas fait. Le 10 août 1920, le traité de Sèvres fut signé par plus d'une douzaine de pays, dont la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, la Turquie et l'Arménie. Ces pays s'engageaient à rendre justice à la nation arménienne qui avait si longtemps souffert. Le traité de Sèvres reconnaissait l'indépendance de l'Arménie et demandait au président américain Woodrow Wilson de fixer les frontières entre l'Arménie et la Turquie. Malheureusement, il ne fut jamais ratifié. Les puissances européennes manquèrent à leurs engagements envers leurs petits alliés. La République d'Arménie nouvellement créée ne survécut que 2 ans avant d'être engloutie par l'Union soviétique et la Turquie. Les réfugiés arméniens, démunis, abandonnés à leur sort tragique, durent s'installer dans un exil permanent. Ces premières années, l'urgence pour eux fut de survivre à la faim et à la maladie. Peu à peu, ils ont reconstruit leur vie, de nouveaux foyers, de nouvelles églises et de nouvelles écoles loin de chez eux.
Pour eux, l'heure n'était pas aux activités de lobbying ou aux revendications politiques. Tous les 24 avril, les Arméniens commémoraient le génocide en se rassemblant dans des salles paroissiales et en priant pour l'âme du 1,5 million de victimes innocentes. Les générations qui se sont succédées, et en particulier après 1965, année du 50e anniversaire du génocide arménien, ont tenté de briser le mur de silence qui entourait la plus grande tragédie qui soit advenue à la nation arménienne. Dans le monde entier, la diaspora arménienne, forte de dizaines de milliers de personnes, manifestait chaque année, envoyait des courriers aux représentants de l'État et des pétitions aux organisations internationales. Le gouvernement turc et le reste du monde ont tout d'abord fait la sourde oreille à ces Arméniens qui exigeaient la reconnaissance d'un génocide oublié depuis longtemps. Mais lorsque des médias, des chefs d'État, les parlements de différents pays et des organisations internationales ont commencé à reconnaître le génocide arménien, les dirigeants turcs, stupéfaits que les crimes perpétrés par leurs aïeux fassent la une des journaux après tant de dizaines d'années, ont investi des sommes énormes dans une campagne de dénégation. Ils ont payé des universitaires étrangers pour qu'ils distordent les faits historiques, loué les services de puissants lobbies et ont exercé des pressions politiques et économiques sur les pays qui avaient reconnu le génocide. Depuis 1965, plus de 20 pays, y compris la France, le Canada, l'Italie, la Suisse, la Belgique, la Grèce, la Russie, la Pologne, la Suède et l'Argentine, ont reconnu le génocide arménien. Bien que l'on suppose généralement que les États-Unis n'ont pas reconnu le génocide arménien, le fait est que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de l'administration américaine l'ont reconnu, et ce, de manière répétée. La première fois que l'exécutif américain a fait référence au génocide arménien, c'était il y a longtemps, en 1951, dans un document déposé par le gouvernement des États-Unis devant la Cour internationale de justice. C'est au président Ronald Reagan que l'on doit la deuxième référence au génocide arménien par l'exécutif américain dans la proclamation présidentielle 48-38 faite le 22 avril 1981. Le pouvoir législatif américain, quant à lui, a adopté deux résolutions confirmant la réalité historique du génocide arménien. La première, approuvée par la Chambre des représentants le 8 avril 1975, faisait du 24 avril, je cite, « un jour de souvenir de toutes les victimes du génocide, en particulier des victimes arméniennes qui ont succombé au génocide perpétré en 1915 ». Fin de citation. La Chambre des représentants adopta une seconde résolution le 10 septembre 1924 qui faisait du 24 avril 1985, je cite, un jour de souvenir de toutes les victimes du génocide, en particulier le 1,5 million d'Arméniens victimes du génocide perpétré en Turquie entre 1915 et 1923. Fin de citation. La plupart des gens ignorent que le pouvoir judiciaire américain a rendu 3 jugements fédéraux concernant le génocide arménien. Le premier de ces jugements fut la décision rendue à l'unanimité par un collège de 3 juges de la Cour d'appel de la première circonscription le 11 août 2010. Le second jugement a été rendu par le juge fédéral Colin Collard-Cotelli le 26 janvier 2011 dans le procès concernant le musée et le mémorial du génocide arménien de Washington. La troisième décision judiciaire a été rendue le 3 mai 2012 par un collège de 3 juges de la Cour d'appel de la 8e circonscription et débutée la Turkish Coalition of America,
de sa plainte contre l'Université du Minnesota. Dans leur décision prise à l'unanimité, les juges ont déclaré, je cite, « le génocide des Arméniens par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale ». Fin de citation. Ainsi, les trois pouvoirs de l'administration américaine ayant officiellement réaffirmé la réalité du génocide, les États-Unis occupent une place légitime parmi les nations intègres qui ont reconnu le génocide arménien. En fait, à de nombreux égards, les États-Unis ont affirmé plus haut et plus fort la réalité du génocide arménien que bien d'autres pays qui ont simplement fait adopter une résolution sur cette question par leur Parlement. Par conséquent, nous devons mettre un terme à notre éternelle obsession et cesser de nous demander si le président Obama prononcera les mots « génocide arménien » le 24 avril. Un président américain, Ronald Reagan, les a déjà prononcés. Alors, pourquoi avons-nous besoin qu'Obama les répète? La seule raison pour laquelle le président Obama devrait dire « génocide » est qu'il doit honorer la promesse qu'il a faite pendant sa campagne s'il veut regagner la confiance des citoyens américains. La longue liste de ceux qui ont reconnu le génocide ne s'arrête pas là. Nous avons y ajouté plusieurs organisations internationales et notamment les Nations Unies. En 1985, la sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités a adopté un rapport rédigé par le rapporteur spécial Benjamin Whitaker, reconnaissant que le génocide arménien remplit tous les critères de la définition du génocide des Nations Unies. Deux ans plus tard, en 1987, le Parlement européen a lui aussi adopté une résolution reconnaissant le génocide arménien. En outre, des centaines d'universitaires travaillant sur l'Holocauste et le génocide ont fait des déclarations conjointes confirmant la réalité du génocide arménien. Du fait d'un si grand nombre de reconnaissances, le génocide arménien est maintenant universellement reconnu comme un fait historique. Malheureusement, malgré cette reconnaissance considérable, quelques grands pays doivent encore faire de même. Les pays qui sont du côté du régime turc et de ses dénégations ne procèdent pas à cette reconnaissance, non pas en raison d'un manque de preuves ou de convictions, mais, c'est bien triste, par opportunisme politique afin d'apaiser le négationniste. On serait en droit d'espérer que ces gouvernements rejoignent la plupart du monde éclairé et reconnaissent les faits historiques tels qu'ils sont et non pas tels que le gouvernement turc les souhaite. Il n'est plus nécessaire que les Arméniens expliquent au monde les faits du premier génocide du XXe siècle. D'ailleurs, une simple reconnaissance de ce qui s'est passé et de simples excuses ne refermeraient pas les blessures et n'annuleraient pas les conséquences du génocide. Les Arméniens attendent toujours que justice soit faite, que leurs droits historiques soient rétablis et que les terres et les biens confisqués leur soient rendus. Ces dernières années, des juristes arméniens des États-Unis ont intenté des procès devant des tribunaux fédéraux américains et ont eu gain de cause. Ils ont ainsi pu obtenir des millions de dollars des compagnies d'assurance américaines, New York Life, et françaises, AXA, pour les dommages et intérêts qui n'avaient pas été payés aux détenteurs de polices d'assurance ayant péri dans le génocide. Plusieurs autres procès sont en instance contre d'autres compagnies d'assurance et des banques allemandes dans le but de recouvrer des fonds appartenant à des victimes du génocide arménien. En 1915, un gouvernement central a préparé et exécuté un plan destiné à arracher une nation entière à la terre de
de ses aïeux et à la décimer, privant ainsi les survivants de leur patrimoine culturel ainsi que de leurs maisons, terres, lieux de culte et biens personnels. Une injustice criante a été perpétrée contre le peuple arménien, lui donnant droit, comme dans le cas de l'Holocauste des Juifs, à la juste compensation de ses pertes immenses. La restitution peut prendre bien des formes. Pour commencer, la République de Turquie devrait placer sous administration du patriarcat arménien d'Istanbul toutes les églises et les monuments religieux arméniens qui ont été confisqués et convertis en mosquées ou en entrepôts ou encore carrément détruits. En l'absence de restitution volontaire par la Turquie, les Arméniens devraient entamer des poursuites pour obtenir une justice de réparation. Lorsqu'on envisage un recours juridique, on doit garder présent à l'esprit que le génocide arménien n'a pas commencé et ne s'est pas terminé en 1915. Des actes génocidaires avaient été commis à grande échelle avant comme après cette date, à commencer par le massacre de 300 000 Arméniens entre 1894 et 1896. Puis, le régime des jeunes Turcs a tué 30 000 Arméniens à Adana en 1909. Pour finir, 1,5 million d'Arméniens ont péri lors du génocide entre 1915 et 1923. Au cours des décennies suivantes, des dizaines de milliers d'Arméniens ont été turquifiés ou déportés de force par la République de Turquie. La plupart des premiers dirigeants de la République de Turquie occupaient déjà des postes élevés dans l'administration ottomane et avaient participé au génocide arménien. C'est cette chaîne ininterrompue à la tête de l'État qui a permis la continuité des politiques anti-arméniennes des Ottomans. En sa qualité de successeur de l'Empire ottoman, la République de Turquie actuelle est donc responsable du génocide. Un document important, récemment découvert dans les archives des États-Unis, fournit la preuve irréfutable que la République de Turquie a continué à déraciner et à exiler les Arméniens bien après 1930, pour des raisons purement racistes. Ce document est un câble strictement confidentiel, daté du 2 mars 1934 et envoyé d'Ankara par l'ambassadeur des États-Unis, Robert Skinner, au secrétaire d'État américain, faisant état de la déportation des Arméniens de l'intérieur de l'Anatolie vers Istanbul. Dans les années 20 et 30, des milliers d'Arméniens ayant survécu au génocide furent forcés de quitter leur foyer de Cilicie et d'Arménie occidentale et furent déportés vers d'autres régions de Turquie ou vers des pays voisins. Dans les années 40, ces politiques racistes ont été suivies de la création de Varlik Vergisi, un impôt exorbitant sur la fortune auquel ont été assujetti les Arméniens, les Grecs et les Juifs, et qui a mené à la faillite les membres de ces communautés restées en Turquie. Au cours des pogroms d'Istanbul en 1955, de nombreux Grecs, à l'instar des Arméniens et des Juifs, ont été tués ou blessés et ont vu leurs biens détruits. Cette chaîne de massacres, de génocides et de déportations fait apparaître une stratégie à long terme, mise en œuvre par les régimes turcs successifs à partir des années 1890 et jusqu'à plus récemment, dans le but de régler définitivement la question arménienne. Par conséquent, la République de Turquie est juridiquement responsable des crimes qu'elle a commis contre les Arméniens, ainsi que des crimes perpétrés par ses prédécesseurs ottomans. La République de Turquie a hérité l'actif de l'Empire ottoman, elle a donc également hérité le passif de celui-ci. Il est remarquable qu'à plusieurs reprises,
les dirigeants turcs et menacé des Arméniens de poursuites judiciaires devant les tribunaux internationaux au sujet du génocide. Après réflexion, cependant, ils ont fait marche arrière sans bruit, craignant de perdre un procès qui ouvrirait la boîte de Pandore des revendications arméniennes. Ces dernières années, les responsables turcs, faisant fi des jugements rendus par les tribunaux militaires turcs en 1919, prétendaient que le génocide arménien ne pouvait être considéré comme tel, puisqu'aucun tribunal n'avait statué dans ce sens. Le tribunal fédéral suisse, juridiction suprême de ce pays, leur a coupé l'herbe sous le pied le 12 décembre 2007 lorsqu'il a confirmé le verdict de culpabilité rendu par un tribunal de première instance à l'encontre du dirigeant d'un parti politique turc, Doğu Perinçek, pour avoir nié le génocide arménien. C'était la première fois que la plus haute instance judiciaire d'un pays rendait un tel jugement sur le génocide arménien. Il fait donc jurisprudence et cas de poursuite ultérieure liée à cette question. Le verdict du tribunal suisse est actuellement examiné par la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, étant donné que les Arméniens se réfèrent souvent à leurs trois exigences séquentielles envers la Turquie, à savoir la reconnaissance du génocide, la compensation de leurs pertes et la restitution de leurs terres, les négationnistes turcs ont conclu que s'ils reconnaissaient le génocide, les Arméniens poseraient ensuite leurs deux autres exigences. C'est la raison principale pour laquelle les dirigeants turcs refusent catégoriquement de reconnaître le génocide arménien. Ils craignent en effet que cette reconnaissance ne donne lieu à des demandes de restitution. Ils croient qu'en rejetant la première exigence, la reconnaissance, ils pourront empêcher les deux autres de s'exprimer. Le fait est que les résolutions de nature mémorielle adoptées par les parlementaires de différents pays et les déclarations des dirigeants mondiaux sur le génocide arménien n'ont aucune force de loi et donc aucune conséquence juridique. Les Arméniens et les Turcs doivent se rendre compte que la reconnaissance du génocide arménien ou son absence ne poussera pas les institutions judiciaires internationales à examiner cette question et ne les en empêchera pas non plus. Une fois que les dirigeants turcs se seront rendus compte que la reconnaissance est elle-même ne pourrait et n'aurait aucune vocation à mener automatiquement à d'autres exigences, peut-être mettront-ils un terme à leur négation obsessionnelle. C'est sans attendre une éventuelle reconnaissance ultérieure, sans temps d'attente étant suffisant, que les Arméniens doivent faire valoir leurs droits historiques par voie légale, telle que la Cour internationale de justice, qui ne peut être saisie que par des États, la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les tribunaux nationaux. Il faut obtenir justice par tous les moyens, indépendamment d'une reconnaissance. Après tout, qu'il pourrait s'opposer de rendre aux Arméniens la justice à laquelle ils ont droit? Et surtout, pas le président Erdogan, dont le parti au pouvoir se nomme Justice et Développement. À nos yeux, justice signifie restitution et recouvrement de tout ce que nous avons perdu à l'époque du génocide, notamment les biens collectifs tels que les églises, les monuments, les cimetières et les écoles, les biens personnels qui ont été confisqués et pillés, et les territoires occupés d'Arménie occidentale. En conséquence, en France et ailleurs, là où le génocide a déjà été reconnu, notre travail n'est pas terminé. Cette année du centenaire est une excellente occasion, non seulement de commémorer le génocide, mais exiger, pour notre cause, que les torts anciens soient enfin réparés.
J'aimerais conclure par quelques questions liées à l'actualité immédiate. Tout d'abord, le projet de loi français qui devait pénaliser la négation du génocide arménien. En tant que journaliste et éditeur de presse, je soutiens fermement le principe de la liberté d'expression. Toutefois, la France, comme d'autres pays d'Europe, connaît une situation singulière dans laquelle la négation de la Shoah est réprimée par la loi adoptée par le législateur français en 1990. Il est tout naturel que les Arméniens de France exigent la même protection juridique en cas de négation du génocide arménien. Si l'on est puni pour avoir nié l'Holocauste des Juifs, il devrait exister un châtiment similaire pour avoir nié le génocide arménien. Il ne devrait exister aucune discrimination entre les victimes du génocide. Pas de deux poids, deux mesures. La loi de 2001 qui reconnaît le génocide arménien doit être menée à son aboutissement logique qui est de fixer la peine encourue par ceux qui violent cette loi. Le président François Hollande, comme le président Nicolas Sarkozy avant lui, a promis plusieurs fois solennellement que la négation du génocide arménien constituerait un crime aux yeux de la loi française. De plus, il reste à la France et à se conformer à la décision de 2008 de l'Union européenne qui oblige les 26 pays membres à adopter des lois réprimant le racisme, la xénophobie, la négation des génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Comme vous le savez, une loi interdisant la négation de tous les génocides reconnus par la France, dont le génocide arménien, a été adoptée par la Chambre des députés français le 22 décembre 2011 et par le Sénat français le 23 janvier 2012. Cependant, le 28 février 2012, le Conseil constitutionnel, cédant aux pressions politiques et économiques turques et en raison de conflits d'intérêts de certains de ses membres, a déclaré cette loi anticonstitutionnelle. Ce fut une décision scandaleuse, dénuée de tout fondement juridique. Les membres du Conseil n'ont pas expliqué en quoi le fait de punir la négation du génocide arménien restreindrait la liberté d'expression, alors que le fait de punir la négation de l'Holocauste ne la restreint pas. Nous espérons que François Hollande tiendra ses promesses répétées de faire adopter une loi qui ne buterait pas sur les mêmes obstacles juridiques. Vous n'ignorez pas que le Parlement grec a récemment adopté une loi similaire. Il est important qu'une telle loi voie le jour en France et dans d'autres pays européens afin d'empêcher la Turquie d'exporter ses politiques négationnistes à l'étranger. Et à ceux qui disent naïvement que l'article 301 du Code pénal turc, la soi-disant loi sur l'insulte à la turquicité, qui fait de la reconnaissance du génocide arménien un crime, est l'équivalent du projet de loi français, que les deux textes restreignent également la liberté d'expression, je dis qu'ils se trompent radicalement. En France, il serait illégal de mentir à propos du génocide arménien, tandis qu'en Turquie, il est illégal de dire la vérité. Enfin, quelques mots sur le statut actuel des chrétiens, notamment celui des Arméniens, en Syrie et en Irak. En raison du comportement barbare de l'EI, les chrétiens sont persécutés et massacrés. Leurs droits les plus fondamentaux, notamment celui de pratiquer leur religion, sont violés. Leurs églises, leurs cimetières ont été profanés et détruits. Ceux qui ont pu fuir dans les pays voisins ont dû laisser derrière eux tout ce qu'ils possédaient. Les terres où ils vivaient en paix depuis des centaines d'années. Malheureusement, cette situation tragique a un air de déjà-vu pour ces populations arméniennes, assyriennes et grecques qui ont souffert voici 100 ans aux mains de l'Empire ottoman lors du premier génocide du XXe siècle. Le plus triste est que les dirigeants de la République de Turquie se font les continuateurs des crimes de leurs prédécesseurs ottomans en armant et en soutenant
ces terroristes modernes. Pour finir, mon dernier commentaire concerne l'importance stratégique de la République d'Arménie, située au carrefour de l'Irak, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. L'Arménie peut jouer un rôle pivot entre l'Est et l'Ouest, car elle jouit d'excellentes relations avec la Russie d'une part, et de très bons rapports culturels et politiques avec l'Europe et les États-Unis d'autre part. Du fait de la taille des communautés arméniennes, particulièrement en France et aux États-Unis. Je ne doute pas du fait que l'Arménie puisse être un État plus prospère, étant donné sa population extrêmement éduquée, cultivée, assidue au travail, et la situation géographique et stratégique qu'elle occupe. Les rapports entre l'Arménie, la Géorgie et l'Iran sont au beau fixe et l'Arménie cherchera à instaurer des relations normalisées avec l'Azerbaïdjan dès que le conflit du Haut-Karabakh sera résolu pacifiquement. L'Arménie également est impatiente d'avoir sur sa frontière occidentale une nation turque démocratique réconciliée avec son passé qui fasse amende honorable pour les crimes de ses prédécesseurs, lève le blocus de l'Arménie et cesse tout comportement hostile. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous remarquerez que Harout Sassounian s'est fait un honneur de vous parler en français, ce qui n'est pas trop sa langue professionnelle. Aux États-Unis, il y a quand même plusieurs langues à son actif, mais il n'a pas trop l'habitude de parler français. Mais il tenait à cœur de s'exprimer dans la langue du pays dans lequel il est accueilli. Merci de cet effort, M. Sassounian. Alors, avec l'autorisation de M. André Santini, sûrement que la salle, nous avons beaucoup d'auditeurs qui ont des questions à poser. Évidemment, je vous demanderai d'être bref dans vos questions. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'écouter des avis ou des positions, tout simplement parce qu'après, nous avons un cocktail que la ville, avec André Santini, vous offre et vous aurez l'occasion d'en parler avec M. Sassounian. Donc, si possible, les questions sont les bienvenues, mais assez courtes et pas plus de 30 secondes. Vous avez des micros dans la salle qui sont à votre disposition, ainsi qu'au niveau du balcon, si vous avez des questions à poser. Puisque c'est le centenaire et M. Sassounian dit qu'il faut qu'on passe à une autre étape, donc qui monte et attaque la Turquie à la Cour internationale de justice, à la Cour européenne des droits de l'homme et dans les tribunaux internationaux? C'est l'Arménie, c'est l'État arménien ou d'autres types d'organisations? À ce qui concerne la Cour internationale de justice, c'est seulement les pays qui peuvent implanter des procès. Mais dans le cours européen des droits de l'homme, c'est des individus, des groupes qui peuvent faire des plaintes. L'Arménie va-t-elle attaquer à la Cour internationale de justice? Cher Monsieur Pazoumian, vous avez deviné, je suis venu ici pour déclarer que... Non, bien évidemment, je ne pourrais pas le dire, on verra. La région est déjà assez éparpillée par des lignes de séparation. On ne réfléchit pas pour le moment d'en créer de nouveaux. On verra au fur et à mesure. Durant toute cette période, en tout cas, l'Arménie a essayé de faire en sorte à ce que le peuple arménien, en Arménie et en Artsakh, soit un peu mis à l'écart des tourments et des dangers qui se font sentir de plus en plus présents dans notre région. Pour le moment, on en est là, mais s'il y a une phrase qui est prononcée, s'il y a une idée qui est lancée, a priori, il y a des gens qui les poursuivent. On verra. Une question ici à l'étage, à Monsieur Sassounian, concernant la restitution des terres dont vous avez parlé, monsieur.
on lit quelquefois des éléments concernant un statut particulier qui pourrait être accordé aux terres entourant le mont Ararat, une gestion internationale ou une forme d'accord de gestion entre l'Arménie, la Turquie. Quel est votre avis sur une telle perspective éventuelle ? Bon, bien sûr que nous ne sommes pas ici pour faire des négociations sur les frontières précises, mais un jour, si le gouvernement de la Turquie s'assoit avec les représentants de la République d'Arménie d'une part et le diaspora d'autre part, on va voir ce qu'on peut faire sur tous ces sujets très compliqués et très sérieux. Je n'ai aucune idée des frontières. On a la carte qui est préparée par le président Woodrow Wilson pendant le traité de Sèvres. On a ça, on a l'Arménie de Woodrow Wilson. Mais j'aimerais avoir cette Arménie, mais on va voir. Si on peut avoir une Arménie aussi grande que possible. Votre question ? Présentez-vous, s'il vous plaît. Chantal Mélamed. Donc, je prends la parole. Je vais faire une petite entorse à la règle du jeu qui a été énoncée. Ce n'est pas une question que je veux poser, mais un soutien que je souhaite apporter au nom de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Puisque cette association a toujours soutenu la reconnaissance du génocide arménien. Je pense que cette reconnaissance n'est pas simplement importante pour les Arméniens, elle est importante pour le monde entier, parce que comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'était le premier génocide du XXe siècle, on est au XXIe siècle, et on a empilé les génocides les uns derrière les autres. Excusez-moi. Merci beaucoup. Permettez, monsieur. Justement, je saisis cette opportunité pour vous remercier, madame, et en votre personne, remercier l'ICRA pour l'excellent article qui a été fait il y a quelques jours. Un article vraiment détaillé, avec beaucoup de rigueur. Ma foi, j'ai été admiratif et je saisis l'occasion pour remercier et transmettre nos remerciements à vos collègues. C'était tout simplement brillant. Merci. Monsieur en haut au balcon, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Iri Chegorizian, je suis enseignant-chercheur en droit et je fais une thèse sur les crimes contre l'humanité et notamment la réparation de ces crimes contre l'humanité. J'étais enseignement porte-parole du Nostrum France, le AYF. Merci d'abord de votre présence, monsieur Sassounian. La parole que vous avez portée est assez rare pour être applaudie dans cette salle et merci de votre présence. Ma question est la suivante. Nous sommes, je crois, presque tous d'accord, en tout cas moi je le suis avec les propos que vous avez tenus, sur le fait que c'était un danger de ne demander que la reconnaissance du génocide des Arméniens parce qu'il n'y avait pas d'automaticité, qu'il n'y avait rien d'automatique entre une reconnaissance politique et une justice de type rétributive ou transitionnelle, peu importe. Et que la seule reconnaissance qui aurait un impact, ce serait des aveux auprès d'une cour ou devant la Cour pénale, enfin devant la Cour internationale de justice, de la part du ministre de la Justice turque ou du président lui-même. Ma question est la suivante. Pour pouvoir plaider sa cause, être partie civile à une instruction, il faut un organe représentatif. Dans les années 50, lorsque les Juifs demandaient réparation pour leurs crimes, ils ont créé la Jewish Claim Conference. Pour les Arméniens, il n'y a pas de représentation de la diaspora. Du moins, il n'y a pas de représentation diasporique de la diaspora. Pensez-vous qu'il faut en créer une ? Bon, je pense qu'on doit avoir une représentation de diaspora, mais aujourd'hui, la République de la Turquie n'est pas préparé pour s'asseoir avec nous pour parler n'importe avec quel représentant. On a les dirigeants de la République d'Arménie et on peut très vite organiser des représentants en diaspora, mais à condition que les dirigeants turcs sont être prêts à négocier avec nous. C'est ça l'important.
D'autres questions ? Appuyez sur le bouton. Moi, j'ai une question un tout petit peu difficile à vous poser. Ce qui vient de dire mon collègue, c'est bien gentil, mais vous ne croyez pas que c'est les califats qui décident en Turquie ? Qu'est-ce qui va y arriver le 24 avril ? Vous croyez qu'on va pouvoir avoir une reconnaissance de la part de la Turquie pour le génocide ? Est-ce que je pense que la Turquie va reconnaître le génocide le 24 avril ? Oui, c'est ça la question ? Oui ? Non, pas du tout, je ne pense pas. J'espère, mais je ne pense pas qu'ils vont reconnaître le génocide. Il y a quand même les califats, il faut étudier l'histoire des califats. C'est les califats qui empêchent de faire tout. Parce qu'en définitive, la Turquie, elle est dirigée par les califats et non pas par l'armée. C'est qui le califat ? Oui, c'est les califats qui dirigent de tout. Pratiquement. Très bien. Vous avez, monsieur, à votre... Oui, je vous remercie. Monsieur Sassoignan, vous avez parlé de, notamment de la loi Guesso qui existe en France. Lors de l'entretien que j'ai eu avec Robert Badinter, ancien ministre. Plus fort, parce que les gens n'entendent pas. Oui, excusez-moi. Donc vous avez parlé de la loi Guesso, hein, en précisant justement que si en France existe une loi qui pénalise la Shoah, donc il devrait en exister une qui pénaliserait tout aussi donc, le génocide arménien et qu'il n'y a pas de discrimination, enfin qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination là-dessus. Lors de l'entretien que j'ai eu avec Robert Badinter, il m'avait déclaré, en justifiant, si vous voulez, donc un petit peu la décision rendue par le Conseil constitutionnel, il avait évoqué le fait que, ben, pour ce qui est de la Shoah, il y a eu le procès de Nuremberg. Donc, et il n'y a pas à ce jour un procès à proprement parler. Qu'est-ce que vous répondriez donc, à ce genre de propos ? Donc, justifiant un petit peu du fait que c'est un petit peu normal qu'il n'y ait pas une loi, contrairement, enfin pour les Arméniens, oui, contrairement aux Juifs. Je vous remercie. Oui. Ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Parce que les Arméniens, comme j'ai dit dans mon discours, il y avait un procès de 1919 en Turquie. Et ce procès est encore plus important que celui de Nuremberg, parce que à Nuremberg, les alliés des forces étrangères qui s'occupaient en Allemagne sont faire le procès, mais en Turquie, c'est les Turcs eux-mêmes qui font le procès contre les dirigeants turcs qui ont pratiqué le génocide, commis le génocide. On a le Nuremberg, le procès de 1919. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas le Nuremberg. Si vous permettez juste que je clarifie, en fait, d'après ce que vous avez dit, on pourrait imaginer que les associations ou des individus, hein, des Arméniens de France, pourraient tout simplement donc organiser des plaintes, hein, une sorte des sortes de plaintes, ou des class actions, hein, ce qu'on appelle ça aux États-Unis, plutôt que de se concentrer dans la commémoration perpétuelle, ce qui a été un peu le cas hein, jusqu'à maintenant, mais plutôt de commencer à déposer des plaintes en tant qu'individu, des organisations, et peut-être faire avancer par ce moyen beaucoup plus précis donc la justice, chose que le peuple arménien demande. Bon, c'est quelque chose pour les Français à décider, c'est à vous à décider. Docteur Kessayen. Bonsoir. Oui, docteur Kessayen. Nous avons vécu en ce début d'année quelque chose d'absolument terrible. Cet attentat, ces trois attentats où notre peuple de France a été atteint dans sa chair. Ma question est celle-ci. Si la Shoah a été faite par un peuple chrétien, qui était le peuple allemand, les nazis, qui étaient dans une ambiance chrétienne, le génocide arménien a été fait par un peuple musulman, qui est la Turquie.
est-il possible, et celle-ci est ma question, de demander qu'un peuple musulman demande pardon et réparation à un peuple chrétien? Mais pourquoi pas? Musulman ou chrétien ou juif, c'est pas un crime, c'est un crime. Le crime n'a pas de religion. Monsieur, sur la gauche, si vous pouvez légèrement vous avancer pour qu'on vous voit, vous avez la parole. Bonjour, si vous monsieur. Pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Seva Goskul. Mes parents sont originaires de Turquie. J'ai juste une question très importante, à mon avis. C'est aujourd'hui l'Arménie occidentale, c'est-à-dire vers Erzurummouche. C'est majoritairement peuplé de Kurdes, pas d'Arméniens. Oui. Donc si, plus tard à l'avenir, on veut avoir la Grande Arménie, il y aura un problème kurde par rapport aussi au problème turc. Car je pense que d'ici 20 ans, il y aura aussi un pays kurde, le Kurdistan, qui voudra aussi ses terres. Donc, à votre avis, vous pensez, est-ce qu'on aura aussi un problème kurde avec le problème turc? Oui, partout que dans le monde que je voyage, je donne ce discours, souvent il y a des gens qui me demandent une question comme ça. Et la deuxième question est aussi que si les Turcs, la Turquie retourne les territoires, est-ce que les Arméniens de la France, les États-Unis, on va retourner, bref, de là. Ce sont des questions ésotériques. Ces questions n'ont rien à faire avec la réalité parce que ce n'est pas ce soir ou demain matin que la Turquie va retourner les territoires à nous. Si c'était tout de suite, demain, oui, on avait des problèmes avec les Kurdes, les Turcs, mais on parle d'un avenir qui, dans des dizaines d'années au moins, peut-être plus loin, des dizaines d'années. Et personne, ni moi, ni vous, ni personne, sait ce qui s'est passé en 50 ans, ou à 200 ans, ou 500 ans. Maintenant, il y a des Kurdes, il y a des Turcs, il y a des Yézidis, Alevis, et tout ça, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir de 50 ans d'ici, ou de 500 ans d'ici. Maintenant, on concentre sur le sujet que ces territoires ont des territoires historiques arméniens. Nous, les Arméniens, on a le droit d'avoir ces territoires retournés à nous. C'est tout. C'est un sujet de principe. On n'est pas en train de retourner en Arménie occidentale demain matin pour penser et pour se concerner. Il y a des Kurdes là, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a des élections? Les 90% des membres du Parlement vont être Kurdes et pas Arméniens. Le président de l'Arménie occidentale va être un Kurde, un Turc. Oui, ce ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui. Un jour, une fois qu'on arrive là, on va voir s'il y a des... Parce que si rien change sur le territoire, si en 500 ans, on est en même situation qu'on est maintenant, avant de se concerner des problèmes des Kurdes et des Turcs, on doit penser, si rien change, on ne doit jamais avoir notre territoire. Quelque chose de très important va changer sur le territoire là, pour nous les Arméniens, puissent obtenir nos territoires. Et une fois qu'il se passe des changements sur ces territoires, après on va voir quel est le résultat de ces changements, des guerres mondiales, je ne sais pas, des explosions, des guerres civiles. Quelque chose de grand doit se passer pour nous, les Arméniens, on a la possibilité d'avoir leur territoire. Si pas, ça reste comme ça, les Kurdes habitent là, les Turcs habitent là, et ça ne change rien. D'autres questions? Excusez-moi, monsieur, je crois que quelqu'un voulait la parole sur la droite. On va vous donner la parole tout de suite après. Je crois qu'on a besoin du micro. Parlons de Sassounian.
Շաշնուա կալեմ ձեր աշխատանքի համար, ես կներեք, բայց հարցումս պիտի ուղեմ հայերեն։ Ֆաշիզմը դատվեց 1948 թվականին Նյուրնբերգյան դատավարությամբ։ Այսօրվա ֆաշիզմը, թուրքը, երբ պիտի դատվի նույն Նյուրնբերգյան դատավարությամբ։ Նույն ինքը այսօր ամեն ինչ անում է, թեկուս խաբելով, թեկուս ծախելով, նավթի գնով, առնելով մեր սուրբ պարունը, մինչև երբ։ Շնորհակալություն։ Alors, je vais traduire avant que monsieur Sassoudian réponde. La question est très simple, c'est que notre auditeur a fait la parallèle entre un gouvernement fasciste qui était les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils avaient eu leur procès de Nuremberg qui les avait jugés et châtiés et arrêtés ce programme, cette idéologie fasciste. Actuellement, par contre, ce qui est soulevé par notre auditeur, c'est que la Turquie est un État fasciste qui continue dans son fascisme, dans ses négationnismes, qu'il est en train de s'abreuver du sang arménien. Je traduis tels les propos de notre observateur. Et il voudrait savoir, d'après Abou Sassoudian, quand cela risquera de finir. Le fascisme en Turquie, ce n'est pas mon problème. Je demande les droits des Arméniens, c'est tout. Alors, monsieur, s'il vous plaît, vous avez la parole. Karam Kevanian. Il y a plus d'une dizaine d'années en France, un collectif qui s'est intitulé Collectif 2015 Réparation a publié une analyse du préjudice causé par le génocide des Arméniens et proposé en contrepartie un certain nombre de mesures qui tiennent de la réparation. C'est la raison pour laquelle elle s'est manifestée, et jusqu'aujourd'hui c'est le cas, sous le nom de Collectif 2015 Réparation. Cette déclaration, vous la connaissez bien sûr, monsieur Sassoudian, et je voudrais savoir si la position qui a été adoptée à l'époque et qui continue de l'être par ce collectif concernant le génocide des Arméniens, ses conséquences et sa réparation, qui pour nous reste vraiment l'essentiel, eh bien, si cette prise de position, vous la partagez. Merci. Bon, je me souviens pas les détails de cette déclaration il y a des années, mais si vous voulez me répéter les... Très bien. Il a été dit que le génocide des Arméniens en tant qu'événement ne pouvait être traité par les descendants des rescapés ou les rescapés eux-mêmes de ce génocide qu'en détaillant les lignes de préjudice qui ont été causées au peuple arménien. Alors, ces lignes de préjudice sont évidemment nombreuses et de nature différente. Évidemment, il y a le prix des morts, c'est évident, c'est la première ligne. Il y a un préjudice qui est de nature politique, puisque les Arméniens qui constituaient dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans la Turquie de l'époque, une nation reconnue, un millet, comme on dit à l'époque, eh bien, ont été déchus de tous les droits politiques et constitutionnels qui étaient les leurs, notamment d'ailleurs ceux qui avaient été accordés par la constitution dite arménienne de 1863. Il y a des préjudices d'une autre nature, en particulier la confiscation générale et intégrale de tous les biens nationaux, sauf quelques églises à Constantinople. Il y a exactement aujourd'hui 42 biens nationaux sur des milliers, les biens nationaux étant les biens qui collectivement appartiennent à la nation arménienne et non pas à des individus. Je continue, il y a aussi les biens privés, bien, il y a les biens bancaires, enfin il y a un certain nombre de lignes de préjudice. Le collectif a dit qu'en face de chaque ligne de préjudice, il était sûrement nécessaire d'identifier une ligne de réparation correspondante. Ce qui veut dire que la réparation, qui est la seule réponse à apporter un génocide crime imprescriptible, que cette réparation sera elle-même multiforme, tout en sachant que la réparation n'atteindra jamais, ne pourra jamais atteindre le préjudice subi, c'est évident. Et c'est ce qui rend cette réparation encore plus nécessaire, puisque de toute façon, elle ne couvrira pas l'ensemble du préjudice. Le collectif 2015 Réparation, vous le savez, s'acharne actuellement spécialement sur une ligne de réparation
qui est la restitution intégrale des biens nationaux confisqués. Peu importe le mode de confiscation, peu importe d'ailleurs qui sont les personnes qui en ont hérité, puisque cette confiscation est le fait de l'État turc et que par conséquent, réparer cette confiscation, ça consiste à restituer les biens confisqués et d'autre part à accorder une véritable réparation, c'est-à-dire indemniser premièrement les tiers et in fine indemniser évidemment la nation arménienne. Pourquoi cette ligne de réparation, et j'en finis? Parce que c'est la seule ligne qui, par sa nature, concerne la collectivité de la nation arménienne dans son ensemble, et le génocide a visé tout spécialement et en particulier cette collectivité. Voilà l'explication que vous m'avez demandé. Oui, merci beaucoup. Bien sûr que je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration. Chère madame, vous avez la parole. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Karine Avetissian, je suis habitante d'Issy-les-Moulineaux. Je voulais savoir si on étudie aussi la question des Arméniennes qui ont survécu en Turquie en prenant l'identité turque et kurde, parce qu'on sait, à côté des Kurdes, comme le monsieur a dit, il y a beaucoup de Kurdes, il y a beaucoup d'Arméniennes aussi qui combattent aujourd'hui. Et quel est leur sort, comment on pouvait les aider aussi pour... Parce que quand on demande une réparation, les Arméniennes qui ont perdu leur identité, ils peuvent réclamer aussi. Et eux, ils sont en Turquie et ils ne sont pas chez eux. Vous parlez des Arméniens musulmans, turquifiés maintenant. Voilà, kurdisés, oui. Turquisés. C'est oui, aussi un génocide blanc. Oui, c'est un grand problème. Dans les années récentes, il y a des centaines de milliers, peut-être plus de 2 millions, les Arméniens qui étaient turquifiés et islamisés. Et peu à peu, ils retournent à ses racines. Ils veulent changer la religion d'islam au chrétien, à l'église apostolique. Et on a beaucoup d'exemples comme ça, Fethiye Çetin, des autres qui ont écrit des livres, ils font des films. Et on a beaucoup de travail pour travailler avec eux, pour peu après que la Turquie vienne plus démocratique, plus ouvert à liberté d'expression, à religion, des droits des minorités, ça va faire notre travail plus facile pour aider ces Arméniens de retourner à ses racines. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Monsieur Sassounian, bonsoir et merci de nous éclairer. Je voudrais rebondir sur cette question pour vous demander si on ne peut pas compter sur un changement du peuple turc pour nous apporter un certain nombre de réponses. J'entends par là qu'on a vu un certain nombre de pays musulmans où c'est les mouvements populaires qui ont amené la démocratie et un certain nombre de changements. On voit qu'en Turquie, il y a un certain nombre de mouvements populaires, d'abord l'intelligentsia, mais il y a un certain nombre de Turcs qui commencent tout de même à faire pression. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient capables d'aller au-delà de la reconnaissance d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils aillent jusqu'au bout, ou est-ce que c'est un mythe? Merci. Je suis très content qu'il y a dans les années récentes, dans la Turquie, un mouvement des intellectuels, des personnes libéraux qui sont en train de ils luttent pour plus de démocratie en Turquie, mais la chose que les Arméniens doivent comprendre, que ces Turcs, leur but n'est pas tellement la reconnaissance ou les demandes des Arméniens. Ils veulent vivre dans un pays qui est démocratique. Ils ont contre le gouvernement turc qui dit des mensonges sur son passé. Un gouvernement qui dit des mensonges envers les Arméniens, le génocide. Ils ont pour la vérité, mais ils n'ont pas des nationalistes arméniens et ne luttent pas pour... recouvrir, retourner les territoires ou les biens arméniens. Ce n'est pas leur travail. C'est à nous ça.
Mais je suis content qu'il y ait un mouvement comme ça et j'espère que ce mouvement va, avec les années, agrandir et bien plus fort. Nous allons encore, avec le temps qui passe, accepter 2-3 questions et après nous serons obligés d'interrompre cette conférence. Oui, monsieur, en haut à droite, vous avez un micro ? On ne va pas vous entendre, monsieur. On va essayer de vous faire venir un micro, sinon on ne vous entendra pas. Présentez-vous, s'il vous plaît, docteur. Michel Dervichian. Monsieur Sassounian, bonjour. Merci pour votre conférence. Vous savez que le 24 avril, un certain nombre de chefs d'État européens et extra-européens se rendront à Yerevan. Oui. Je voudrais savoir si vous pensez que le président Obama effectuera ce geste qui sera un geste plus que symbolique. Est-ce qu'Obama a fait un geste de... Je demande si Obama va aller en Arménie. Oui, je ne pense pas qu'Obama va aller en Arménie. Il ne va pas en Turquie non plus. Il est un peu occupé avec de l'EI, de Cuba et des millions d'autres choses. Je ne pense pas qu'il va aller en Arménie. Je voudrais qu'il aille, mais je ne pense pas. D'autres questions ? Monsieur Herold. Je vais demander dorénavant qu'on soit bref dans les questions, s'il vous plaît, parce que le temps presse. Très bien. Ça va être rapide, c'était pour reprendre la question précédente. Monsieur Sassounian, malgré tout le travail que vous avez fait et que je respecte, hier j'étais à la mairie du 10e et des collectifs turcs, arméniens et juifs ont rendu hommage à Orhan Dink. Et dans les photos qui sont montrées, les Turcs qui manifestent à Istanbul parle du génocide. Ces collectifs demandent la reconnaissance du génocide. Ce sont des Turcs, ce sont des Lazes, ce sont des Kurdes. Voilà, il n'y a pas que les Arméniens. Et l'accord à Paris, ce collectif-là, va dans la même direction. Fatih Hakim, qui a fait le film La blessure, c'est un Turc, évoque le génocide. Alors, si on doit attendre, comme vous nous... Je vous comprends. Plusieurs centaines d'années. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que si les années passent, nos communautés vont disparaître. Oui. Bon. Je pense que peut-être à cause de mon français, je n'étais pas très clair. Je répète, je ne pense pas que j'ai dit que les Turcs qui sont démocratiques et libérales, ils s'en foutent de reconnaissance. Je ne dis pas ça. Il essaye de rétablir la vérité du génocide, reconnaissance, mais pas, il ne lutte pas pour la cause arménienne, le territoire et tout ça. C'est à nous de faire ça, mais ils sont d'accord avec nous que le gouvernement turc doit reconnaître le génocide. Ça, c'est clair. Et l'autre chose, le deuxième point que vous avez fait, je ne dis pas que... Les Arméniens doivent attendre et faire rien pour 500 ans. Je ne pense pas que j'ai dit ça. J'ai dit que tout de suite, demain matin, si c'est possible, on doit aller au cours international, au cours européen des droits de l'homme, et demander nos droits. On ne peut pas attendre. J'ai dit le contraire. J'ai dit on a attendu il y a 100 ans, c'est assez d'attente. Une dernière question. Merci, monsieur. Avant-dernière. Je suis Christiane Marcarion, d'ici les Moulineaux. Il y a juste une chose que je voulais souligner, c'est que depuis un certain temps, j'entends le mot catastrophe à la place du mot génocide. Alors, je pense que la Turquie agit insidieusement sur le vocabulaire qu'elle utilise de façon à éliminer carrément la question du génocide arménien. Voilà, parce que il y a 3 ans de cela, j'ai assisté à une conférence qui était menée par des Suisses, historiens suisses, je n'ai pas retenu leur nom parce qu'on n'avait pas le temps pour poser des questions, mais ils parlaient de catastrophe. Catastrophe. Et ce mot-là, je l'ai entendu à nouveau il n'y a pas très longtemps sur les stations de radio. Voilà, donc la Turquie cherche à limiter et à éliminer la question du génocide arménien.
je pense que à partir de là, bon, on n'a pas grand-chose à attendre de ces gens-là, à moins de se faire représenter par un collectif qui a été signalé précédemment, un collectif arménien qui serait bon de faire mettre en avant pour qu'il y ait une voix regroupant toutes celles des Arméniens de France et d'ailleurs. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. Je n'accepte pas aucun autre mot que génocide. Pour moi, catastrophe, massacre, tragédie, tout ça, ce n'est pas acceptable. Il y a un mot, c'est génocide, parce que c'est un mot de juridique. Il y a des conséquences juridiques de ce mot, et c'est pour ça que le mot génocide, c'est important d'utiliser ce mot seulement. C'est le mot juste. Monsieur Lévy, je pense que vous vouliez prendre la parole. Oui, merci. Moi, je voulais profiter. Merci, Monsieur Kanjan. Moi, je voulais profiter de cette fin de conférence, non pas pour poser une question, mais pour apporter aussi un soutien, comme l'a fait un petit peu Maître Melhamed pour la LICRA, organisation à laquelle je fais partie et dont j'ai l'honneur d'être le président d'honneur, mais le soutien de la communauté juive. D'abord, de la communauté juive d'Issy-les-Moulineaux, mais d'une manière générale, de la communauté juive. La communauté juive d'Issy-les-Moulineaux, pardon, c'est la fin du Shabbat. Le rabbin ne pouvait pas être là et je voudrais l'en excuser. Il m'a demandé évidemment de vous saluer. La communauté juive d'Issy-les-Moulineaux, je n'ai pas besoin de vous dire le soutien qu'elle a envers la communauté arménienne. D'abord par l'histoire, hélas commune que nous avons, mais aussi par les liens d'amitié qui ont été faits durant toutes ces années. La communauté juive, d'une manière générale de France, je rappellerai que quasiment toutes les publications sur le génocide arménien viennent du mémorial de la Shoah. Et je crois que c'est très important qu'il y ait effectivement une relation entre, non pas ces deux génocides, hélas, sont des génocides différents, mais qu'il y ait une relation entre des gens qui ont subi un même génocide, qui puissent se soutenir entre eux. Et je répondrai un petit peu à la question de monsieur, si vous me permettez, en disant qu'il disait, mais il y a aussi des non-arméniens qui doivent nous soutenir. Au contraire, je crois que le travail que vous avez à faire, c'est déjà de continuer, de ne rien lâcher, de convaincre aussi des non-arméniens à votre cause. Et je crois que c'est important. Comme j'ai été moi-même convaincu, je ne suis pas arménien, je viens aussi avec des insignes qui m'ont été remis en Arménie. Et l'amitié que j'ai pour vous est une amitié qui durera jusqu'à la fin de ma vie. Et j'essaie d'en convaincre non seulement mes amis juifs, mais des amis non-juifs de toute obédience, bien au contraire. Donc ne lâchez rien, continuez à convaincre. Continue à convaincre parce que le combat que vous menez est un combat juste et je sais de quoi je parle. Bravo et continuez. Et merci à notre intervenant. Alors, je voudrais... Deux secondes, monsieur, s'il vous plaît. Je vais demander aux deux dernières questions que nous avons. Donc, chacun votre tour, monsieur. Vous allez donner votre question, ainsi que monsieur Dédéian. Ensuite, il va vous répondre à la suite, d'accord ? De toute façon, j'en ai pour très peu de temps. C'était simplement, je me présente, monsieur Léon, retraité, habitant d'Issy-les-Moulineaux. Je suis très heureux de vivre à Issy-les-Moulineaux, sous le mandat de monsieur Santini, et aussi ravi de vivre avec la communauté arménienne. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur Dédéian. Merci, bonsoir à tous. Nous, les Arméniens, depuis 1915, nous luttons, justement, et il y a plusieurs façons de lutter, au niveau politique, comme vous avez évoqué tout à l'heure, et puis il y a trois formes aussi, par lesquelles nous luttons depuis toujours, les médias, l'Église et les écoles. Ne serait-ce que les écoles, ne serait-ce que par la transmission de notre culture, de nos traditions, de notre langue, de notre histoire, l'Église par la transmission de notre foi, les médias qui répercutent, et heureusement aujourd'hui on a une liberté de presse qui nous le permet. Ma question est la suivante. On sait aujourd'hui qu'au niveau politique, j'entends, les États-Unis ont des avantages à soutenir la Turquie aujourd'hui. Je parle politiquement. Est-ce que vous ne croyez pas que d'ici peut-être 150 ans, si
les mêmes raisons continuent à exister, les mêmes rapports entre les États-Unis et la Turquie, nous serons toujours dans cet état-là. Par contre, est-ce que si les négociations ou les raisons politiques échouent entre les États-Unis qui ont leur profit, je suppose, politiquement par rapport à la Turquie, ça peut peut-être changer. Ma question, est-ce que les États-Unis étant une force, je dirais, sur le plan, sur cette terre, est-ce que les États-Unis ne vont pas décider, oui ou non, la reconnaissance par la Turquie du génocide? Bon, je suis content que il y a 2-3 ans, déjà on voit des importantes évolutions de relations, de changements de relations entre les États-Unis et la Turquie à cause de toutes les déclarations idiotes que Erdogan, le président de Turquie, fait presque chaque jour sur tous les sujets. Et le gouvernement des États-Unis n'est pas tellement content de tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font avec les terroristes en Syrie, en Irak, et les armes. Ils les laissent passer les frontières de la Turquie en Syrie, en Irak. Et ils répètent des déclarations antisémites presque chaque jour. Il accuse l'Israël de commettre de génocide, comme ça. Mais on a déjà vu un changement de position, de relations plus négatives qu'avant. Et les relations entre des pays changent tout le temps, pas en 150 ans, mais peut-être dans une journée, on peut voir un changement dans des pays. Comme ils disent, il n'y a pas des camaraderies permanentes entre des pays, mais il y a des intérêts permanents. Si les intérêts des États-Unis vont dans une autre direction, on peut voir même des hostilités, des oppositions entre les États-Unis et la Turquie. On va voir, parce que c'est vrai que si les relations changent un peu plus, le gouvernement des États-Unis va être plus sympathique envers la cause arménienne. Et c'est important pour nous. Merci. Monsieur Atabekian, ministre plénipotentiaire qui représente la République d'Arménie en France, en tout cas l'ambassade, excusez-moi. Merci. Je ne pensais pas intervenir. Et si j'ai pris la parole, je pensais avoir d'abord une remarque, et puis deux, et puis finalement, après l'intervention de notre ami juif, j'ai trois petites remarques. Premièrement, je voulais vous informer et confirmer qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites et commandées par le mémorial de la Shoah. Notamment avant-hier, il y a eu une excellente analyse qui a été faite à la base d'un sondage. Il y a eu une trentaine de milliers de jeunes qui ont été sondés dans 31 pays du monde sur les mémoires à venir, une excellente étude, et notamment en parlant du génocide arménien qui vient tout de suite derrière la Shoah. Il s'avère que en moyenne 82% des jeunes en Europe sont sûrs que en parlant des massacres des Arméniens, il s'agit d'un génocide, bel et bien d'un génocide. 82% de l'Union européenne, c'est quand même un chiffre remarquable. Je voulais attirer votre attention et inviter à regarder cette étude qui est sur le site du Mémorial de la Shoah. Par ailleurs, en dernière place, notamment, sont les jeunes turcs, mais quand même plus de 33%, c'est-à-dire un tiers des jeunes turcs, sont convaincus qu'il s'agit d'un génocide et que le gouvernement turc doit reconnaître le génocide. Et en première place, bien évidemment, c'est la France. 93% des Français sont convaincus qu'il s'agit d'un génocide, en parlant du génocide arménien. Et je saisis l'occasion pour remercier le peuple ami de France. Deuxième remarque que je voulais faire, il y a eu des choses qui ont été dites aujourd'hui. Et dans le brillant exposé de M. Sassounian, il y avait des choses qui pourraient paraître abstraites, mais c'est très concret aussi.
D'une manière très concrète, en parlant des réparations, des procès, des cours de justice ou des droits de l'homme, le 28 janvier, c'est-à-dire dans quelques jours, il y aura le procès Perinček, dit Perinček, que vous connaissez, j'imagine, qui va reprendre à Strasbourg. C'est pas loin, c'est ici en France. Et pour revenir un peu à votre question, M. Pazomian, l'Arménie, même s'il s'agit de M. Perinček et son procès est contre la Suisse, l'Arménie y est présent en tant que partie prenante. Par ailleurs, il y a des centaines de milliers de courriers de la part des citoyens de Turquie et ou d'origine turque qui sont adressés à la Cour européenne des droits de l'homme. Évidemment, ce n'est pas une invitation ou une incitation à quoi que ce soit, simplement c'est matière à réflexion. Et puis, dernière remarque, je voulais juste dire que dans un contexte du centenaire, particulièrement en France, il y a un peu beaucoup de choses qui est dit, beaucoup de personnages qui surgissent, et parmi ces personnages, il y a aussi d'abstrait et de concret. D'une manière très concrète, je voulais remercier la ville d'Issy-les-Moulineaux et son maire, M. Santini, dont le nom en Arménie est un synonyme d'amitié, très sincèrement. Une ville qui a établi des liens de jumelage, parmi les tout premiers avec les villes arméniennes, même avant, je crois, l'effondrement de l'Union soviétique. Mais aussi et surtout parce que le maire, qui est connu de longue date par ses actions en faveur du renforcement de l'amitié franco-arménienne, à tous les niveaux, il est parmi ceux qui ont initié et qui ont été à l'origine même de toutes les initiatives parlementaires visant la reconnaissance du génocide. Et je crois que c'est le moment de dire un très, très, très grand merci en ce jour d'ouverture du centième anniversaire. Merci, M. Santini. Alors, je tiens à vous informer d'une aussi actualité, le journal Noyan Daban, que vous connaissez tous, qui est édité par Internet et diffusé sur le monde entier, a trouvé que c'était une occasion très importante. Et comme vous le voyez, ben, tout simplement, la conférence d'aujourd'hui a été informée sur l'échelle mondiale qu'il y avait une exclusivité européenne. Et comme par hasard, c'était à Issy-les-Moulineaux que ça se faisait, sous la présidence de M. André Santini. Merci. Merci, M. Santini, de nous avoir autorisé à faire cela. Et dorénavant, vous êtes tous attendus pour le cocktail que la ville d'Issy-les-Moulineaux vous offre. Merci à vous tous.